بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات Mes frères en islam, toutes les louanges reviennent avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous réunir après avoir accompli cette salatul fajr en jama'a. Cette salatul fajr en jama'a qui est pour chacun de nous synonyme de protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui accomplit sa salat de fajr en jama'a, alors pour toute la journée, fahuwa fi dhimmatillah. Alors cette personne-là, elle est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons avant tout remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le tawfiq, l'opportunité de pouvoir accomplir cette salat. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé l'être humain d'un corps et d'une âme. Et ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé, il a besoin d'éléments, de matière, afin de pouvoir vivre, afin de pouvoir exister, de nourriture, de boisson, etc. Et bien de la même manière, cette âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé, il a besoin de nutriments également. Mais ces nutriments, ils seront d'ordre spirituel. Autant notre corps a besoin de nourriture et de boisson pour pouvoir se développer, autant notre aspect spirituel a besoin d'action, de a'mal, de ibadat qui nous ont été enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir se développer et atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il est dommage de constater, c'est qu'aujourd'hui nos sociétés ont accordé une importance plus que nécessaire au développement physique, au développement de notre aspect physique corporel et a délaissé complètement le côté spirituel. Alors qu'un homme accompli, un véritable insan, un homme complet, sera celui qui, dans lequel on retrouve la jonction, aussi bien du côté physique, de l'aspect physique, que de l'aspect spirituel. Certains ulamas vont même jusqu'à dire que l'aspect spirituel est beaucoup plus important que l'aspect physique. Car il arrive que quelquefois le côté physique, corporel de notre corps fasse défaut, mais que l'être humain il puisse tenir, il puisse rester debout par le côté spirituel. C'est son côté spirituel, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui donner la force de pouvoir, entre guillemets, se mettre debout. Et comme on disait tout à l'heure, il y a certaines actions qui nous ont été enseignées par les Anbiya alayhi salatu wa salam, par la révélation, par le Coran et par l'enseignement même de Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, par la sunna, qui nous permet de développer ce côté spirituel. Et entre autres, parmi les actions que nous a enseignées Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, il y a le jeûne. As-sawm, le jeûne. Et le moment, on va dire, par excellence, où cette action est pratiquée, c'est bien le mois de Ramadan qui arrive dans quelques jours. Certes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a, à travers sa pratique, il nous a enseigné que le jeûne est une action qu'il adoptait tout au long de l'année. Chacun de nous connaissons que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam observait le jeûne de Ashura. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam observait le jeûne du lundi et du jeudi. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte les compagnons radiyallahu anhum, entre autres Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhum, qui nous dit qu'il arrivait que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il ne jeûne pas pendant une longue période.
Puis il arrivait comme cela que le prophète d'Allah ait commencé à jeûner, et que l'on croyait que le prophète d'Allah il allait jeûner durant tout le mois qui était en cours. Bref, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a ponctué sa vie par cette action. Le jeûne était une pratique qu'il avait adoptée et qu'il pratiquait souvent. Mais lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, eh bien là, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il rappelait aux compagnons radiyallahu anhum l'importance du jeûne, l'obligation du jeûne. Dans le hadith que chacun de nous connaissons, rapporté par Salman radiyallahu anhu, où il nous est dit qu'à la veille du mois de Ramadan, à la fin du mois de Sha'ban, le prophète d'Allah il avait réuni les compagnons radiyallahu anhum et il leur avait rappelé l'importance du mois qui venait, un mois dont, durant lequel Allah il avait rendu obligatoire fard, le jeûne. Donc le jeûne du mois de Ramadan est quelque chose d'obligatoire que chacun de nous, alhamdoulilah, nous pratiquons. Mais ce jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a dit au début, doit être pour nous un moyen au-delà de sa pratique et de son caractère obligatoire. Cela doit être pour chacun de nous un moyen de pouvoir nous réformer spirituellement, de pouvoir nettoyer, purifier notre intérieur. Et bien pour cela, les ulama, ils nous rappellent certains points. Ils nous disent que si nous voulons profiter pleinement de la pratique du jeûne, il est important que nous nous rappelions certains points. Déjà, il nous faut nous rappeler que ce jeûne que nous allons accomplir durant le mois de Ramadan qui arrive est pour nous le moyen de nous réaliser que nous sommes mu'mines, que nous sommes croyants. Alors vous allez me dire que ben, chacun de nous connaissons parfaitement que nous sommes musulmans. Eh bien, certes, nous connaissons que nous sommes musulmans. Nous savons, chacun de nous, que nous sommes croyants. Mais est-ce que dans notre vie au quotidien, notre pratique, notre manière d'agir, que ce soit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, de manière verticale, tout comme de manière horizontale avec ceux qui nous entourent, est-ce que la manière dont nous menons notre vie est une manière qui est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous? C'est cela un véritable mu'min. Et lorsque nous allons jeûner, nous allons abandonner ce qui est tout à fait naturel, le fait de manger, de boire, d'avoir des relations avec son épouse. C'est des choses que nous allons abandonner. Pourquoi? Parce que nous sommes croyants, parce que nous sommes musulmans. Dans le Coran, Allah il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykum usriyam. Eh bien, le jeûne que nous allons accomplir, ce sera pour nous l'occasion de réaliser que nous avons au plus profond de nous-mêmes une foi, un iman, et que cet iman attend de nous certaines pratiques, une manière bien précise de mener cette vie dans ce bas monde. Donc premièrement, le fait d'accomplir le jeûne va pouvoir nous faire réaliser avant tout que nous sommes musulmans et que nous avons pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala de le Coran, il nous parle des compagnons radiyallahu anhum. Il nous dit minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Qu'il y a des hommes parmi les musulmans, les mufassirin nous expliquent que là référence est faite aux compagnons radiyallahu anhum. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Ils ont confirmé cet engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait de devenir musulman, d'accepter iman, c'est un engagement qu'on a pris avec Allah. Et le fait de pratiquer ce jeûne, ce sera pour nous l'occasion de réaliser notre foi, de réaliser notre iman, de réaliser que nous sommes de véritables mu'min. Le mois de Ramadan qui arrive, avec sa pratique fardon qui est le jeûne, va nous permettre de rivaliser dans le bien. Dans le Coran, Allah il nous dit « Sabiqou, accourez, avancez, rivalisez-vous entre vous » en ce qui concerne les a'mal, les bonnes actions, le bien. Le jeûne, mes frères, nous engage à concurrencer les autres communautés dans l'accomplissement du bien. Dans le verset que l'on a récité au début, où Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'obligation du jeûne, qu'est-ce qu'Allah il nous dit ? Kutiba alaykum usriyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Que ce jeûne vous a été rendu obligatoire, comme cela a été prescrit pour les communautés précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'occasion de pouvoir avancer vers lui. Et la leçon que nous pouvons tirer de ce verset, c'est qu'en ce qui concerne le akhirah, en ce qui concerne notre relation avec Allah, nous devons toujours avoir ce souci d'être productif, de toujours avancer. Car comme nos grands nous expliquent, en matière de dîn, si nous n'avançons pas,
alors nous n'allons pas stagner. Nous allons systématiquement reculer. Nous devons toujours voir vers l'avant, tirer vers le haut en ce qui concerne notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là encore, si nous regardons autour de nous, en ce qui concerne les affaires de ce dunya, nous ne voyons jamais quelqu'un qui va vouloir prétendre dire que moi je veux reculer, je ne veux pas avancer. En ce qui concerne le dîn, la logique doit être même. En ce qui concerne notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons au quotidien toujours chercher à avancer, à avancer, à améliorer nos ibadat, améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours à la lumière de ce verset que nous voulons de réciter, qu'est-ce qu'Allah il nous dit? Que ce jeûne, c'est l'occasion d'obtenir la taqwa. La'allakum tattaqun. Kutiba alaykum as-siyam. Il vous a été prescrit le jeûne. Pourquoi? La'allakum tattaqun. Afin que vous atteigniez la taqwa, afin de parvenir à cette taqwa. Le jeûne permet de travailler et d'atteindre la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour mentionner cette crainte révérentielle, comme on vient de le dire, Allah il utilise le terme taqwa, qui renvoie à une notion de protection infaillible. Une protection infaillible. Contre quoi? Contre les attaques de Shaytan. Ali radiallahu anhu, lorsqu'il définissait la taqwa, qu'est-ce qu'il disait? Que la taqwa, c'est craindre Allah subhanahu wa ta'ala, craindre notre Créateur, craindre le Majestueux, afin de mettre en pratique ses ordres, ses commandements, à se satisfaire de ce qu'Allah il nous a donné, à se préparer pour le grand voyage qui est notre départ pour le Akhira. Pour une approche générale, en fait, la taqwa est une vertu qui nous permet de faire le bien et de nous éloigner du mal. Et c'est ce que l'on retrouve au travers du jeûne. Le jeûne participe à réaliser cet objectif de manière active. Lorsque quelqu'un il se prive de ce qui est permis, de manière tout à fait naturelle, il va s'éloigner de ce qui, au quotidien, est interdit. Le jeûne nous permet d'atteindre la taqwa. Le jeûne nous permet d'accéder à un bienfait inestimable, le pardon d'Allah. Chacun de nous veut obtenir le pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le jeûne est une adoration, une ibada, qui participe à effacer les péchés et à bénéficier d'une récompense immense. Le Coran inscrit ceux et celles qui pratiquent le jeûne parmi les adorateurs vigilants d'Allah et qui méritent le pardon et une rétribution magistrale. Qu'est-ce qu'Allah il nous dit? وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Que pour ces personnes-là qui observent le jeûne, alors Allah subhanahu wa ta'ala a promis le pardon et une rétribution magistrale. Parmi les qualités que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de cultiver, et si nous allons nous questionner entre nous, nous allons bien comprendre que c'est une qualité qui doit être présente chez chacun de nous. La reconnaissance. Ash-shukr. Le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle avec autrui, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'aujourd'hui, le monde est tel qu'on n'est plus reconnaissant par rapport aux bienfaits qu'Allah nous donne. C'est un constat. Eh bien, le jeûne est un moyen d'atteindre cet objectif, d'atteindre l'état de reconnaissance. Après avoir cité la prescription de cette adoration pour les croyants, le Coran nous informe que de nous montrer reconnaissants envers les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés peut être atteint par l'intermédiaire du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de nous priver de quelque chose qu'il nous a octroyé au quotidien afin de nous mettre dans la situation de ceux qui n'en ont pas et afin de pouvoir être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en fait adorer Allah. Mais c'est également l'occasion de pouvoir profiter encore plus des bienfaits qu'Allah il nous a donnés. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah il nous dit? La in shakartum, la azidannakum. Si vous allez être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter vos bienfaits sur vous. Le jeûne est également le moyen pour chacun de nous de voir nos du'as, nos invocations être exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir prescrit l'obligation du jeûne, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va intercaler le verset qui va suivre
entre avec un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il parle des invocations, des du'as. Après avoir prescrit le jeûne, dans quelques versets qui suivent, Allah il nous parle de toutes les vertus qu'il y a à l'implorer, mais surtout de l'acceptation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait des invocations et des du'as que l'on va lui demander. Qu'est-ce qu'Allah il nous dit? Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent alors fa inni qarib, que je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. J'exauce l'invocation de celui qui me sollicite au moment où il me sollicite. Et les ulama ils nous expliquent un point vraiment très intéressant. Les ulama ils nous disent qu'à travers le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux humains telle ou telle chose, lorsque on interrogeait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à quelque chose, par exemple yas'alunaka madha yunfiqun, il t'interroge par rapport à ce qu'ils doivent dépenser dans le chemin d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah il dit? Yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum. Allah il dit que j'ai dit. Mais par rapport au du'a, ce n'est pas ainsi. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, lorsqu'il t'interroge par rapport à moi, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, Allah ne dit pas qul fa inni qarib. Non, Allah dit inni qarib. Je suis proche, je suis là. Ce qui nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter les du'a de ceux qui l'invoquent sans même attendre quoi que ce soit. Si nous allons parler de l'importance du du'a durant le mois de Ramadan, cela a été fait lundi matin, mais le du'a est une ibada qui est encore plus étroitement liée au jeûne que les autres ibadat. Pourquoi? Parce que celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, il va voir au minimum un du'a être exaucé. Cela c'est en temps normal. Imaginons durant le mois de Ramadan où la miséricorde, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste de manière encore plus extraordinaire. Comment cela doit être pour nous l'occasion de lever les mains devant Allah et de l'implorer et de voir nos du'as être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, comme nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers un hadith, est une protection. Une protection contre les péchés, une protection contre tout ce qui pourrait nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au-delà de tout cela, c'est une protection contre le feu de l'enfer. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui nous est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, que le jeûne est une citadelle imprenable contre les flammes de l'enfer. Ce n'est là que quelques vertus que nous avons pu citer, il y en a encore beaucoup d'autres par rapport au jeûne. Tout cela doit nous pousser à non seulement vouloir jeûner, mais surtout bien jeûner, pour pouvoir obtenir toutes ces récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a que faire du jeûne de celui qui certes se prive de nourriture et de boisson, mais qui parallèlement à tout cela ne se préserve pas des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu interdit, illicite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit au quotidien. C'est pourquoi lorsque nous devons jeûner, ce n'est pas jeûner simplement pour jeûner, mais c'est jeûner pour obtenir la proximité d'Allah, jeûner pour se rapprocher d'Allah et jeûner avec cet état d'esprit que ce jeûne va me permettre de m'éloigner des péchés pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour au final me réformer pour tout au long de ma vie. Que ce jeûne, chaque jeûne que nous allons accomplir durant le mois de Ramadan, mais également les jeûnes que nous allons pouvoir accomplir durant ce mois de Sha'ban, qui va nous permettre de nous préparer pour le mois de Ramadan. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait encore plus que par rapport aux autres mois de l'année, lorsqu'arrivait ce mois de Sha'ban, pour pouvoir se préparer pour le mois de Ramadan. Eh bien, les jeûnes que nous allons accomplir doit être pour nous un moyen de nous réformer et de nous préparer pour cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama ils nous disent, et nous allons terminer là-dessus, que lorsque nous allons jeûner, nous allons abandonner toutes sortes de nourriture et toutes sortes de boissons. C'est qui ne mange pas et qui ne boit pas? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, lorsque nous allons jeûner, nous allons, entre guillemets, essayer
de se rapprocher d'Allah, même dans, en apparence, pour pouvoir nous préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous devons faire de ce jeûne un jeûne qui soit un véritable jeûne, un jeûne qui soit voué uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'atteindre la proximité d'Allah, l'amour d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne le tawfiq de pouvoir comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette de nous préparer comme il se doit pour ce mois de Ramadan, et dès maintenant de faire la niyya de jeûner durant ce mois de Ramadan pour pouvoir se réformer spirituellement et atteindre la proximité d'Allah. Allah nous donne le tawfiq.